m'appelle Béatrice Hippodame, je suis infirmière depuis 2006 et je travaille à la Samaritaine en tant qu'infirmière santé au travail depuis février 2022. J'ai été infirmière hospitalière pendant à peu près 4 ans, 5 ans, ensuite infirmière de laboratoire pendant une dizaine d'années et là, tout fraîchement arrivée, infirmière santé au travail, donc depuis février 2022. Après plusieurs années au laboratoire, j'ai commencé à me poser des questions sur ma carrière, sur ma vie professionnelle. Donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences qui m'orientait vers la santé au travail. Alors j'ai eu le choix de faire un DUST, un diplôme universitaire pour les infirmières santé au travail, ou un master en santé sécurité au travail. J'ai choisi le master parce qu'il était plus complet. Donc me voilà maintenant infirmière santé au travail. Alors le changement, je l'ai très bien vécu parce que du coup j'ai découvert d'autres maladies, on va dire, qui ne sont pas forcément physiques, ça peut être les risques psychosociaux. J'ai pu découvrir ce que c'était donc une maladie professionnelle, un risque professionnel, ce qu'était l'anticipation, la mise en place de plans de prévention et surtout l'évaluation des risques dans tous les secteurs de l'entreprise. Alors mes missions aujourd'hui, c'est l'accueil, l'écoute des salariés, les études de poste pour déterminer les risques professionnels, la mise en place d'actions de prévention en lien avec, avec tous les risques possibles sur le secteur et surtout travailler avec le médecin du travail et l'employeur et trouver un juste milieu pour l'organisation et la mise en place des actions de prévention. J'aimerais comme conseil de bien réfléchir à son plan de carrière, à ce qu'on attend de la santé au travail, parce qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut tout de suite et dans des délais assez rapides. On dépend de l'employeur, des prestataires, de la comptabilité et aussi des partenaires tels que les délégués syndicaux et les représentants du personnel.